serait-je de tout cœur de la mise en place de ce cursus qui donne sa place aux femmes autant qu'aux hommes. Moi, ce que je voulais savoir, et je voulais aussi avoir l'avis de Françoise Barquier, est-ce que la prochaine étape, ça pourrait être la canalisation des femmes dans le bouddhisme tibétain? Et quelle est la position de Françoise Barquier par rapport à cette pleine ordination des femmes? Asso. Tande gelhoma ze kinde shirton karesena te le labo mandu nga ngamande hafir lopta gnon ko jeni chanso kongsena teni yinchi minchi larong gan ne gelhoma kya so shi jana yaboris teni tangi te tinre le labo mandu pena chu chu go lorji dana tandina jirchu jirchu gone zonte ta ngama go loji te ta ta ju chu jamba go te tenra le la pon ro mandu te mambo z lap song ye chire ze na nga chu la rong gar ne te ni gi hlung ma go dom jin bo yer na dom jin sar te yo me ta ngama chu jin ji me phon so yo ti te ni sa ro z so ma son te je ma re sa ro so ma son yena ya ta tang sang go te ni nga chu go la rong gar kam kham bo ga re go Tene tandi gerlong magar domgin da yarak suji suna yabu reese tena jimjig shiene tene xia tsum mambo zhi song tene tsongda yang ngarin tsok song yana yang ta nga tsu gerlong magar domba zi kindi ji yang karese di ta te choka tanga tene shaklin mambo zir go ra Pena ngatsu gelhong ma domba de sur gone na yang na jagar ne yara janag ne lengko ndu tene janag ne lengko ni na janag ki tene nyantu deva chogi ke nang deva de yang kaka rendu pena po na yon ge chu de na je tamchi yo par ma ba de ge tari ge deva re tu tene sangal le ta na janag da jamba so yin na yang pena nehten deva tanda deva jang gana re tene deva jang ki chokala tene nga tsu go gerlong magar domgen go maon er kamna tela yang xo zhong yarni gariye mambu segi yon re tenra tsu ndari choka tsangma da lakhtar shir goni na yang ten de jimjig yapo oz maa shena diz gale re tam kambu mambu la jima te so jo muba yo re da yena yang diz gale yo sa re gare se na jagar daana tene ndi taiwan daana tevzhin da amerika la sokba go yang kweba lama mambu zikini na nga ma taiwan ne tani po ku gerlong magar domgen da yara so na yabo re zi te lan tsungdu mongwa tso re da yina yang jima ta tarong tari ti chi chuchi yabo zi tu shiong tau yo ma re kang tari yang te la tsangma we shimju she kyo jima kandri netsir kandri changdu se shi kumandu En fait, ça n'est pas si simple que ça de démarrer redémarrer la tradition des Gelongma au Tibet. Quand j'étais à l'université de Harvard, j'ai rencontré donc Janet Gyatso, qui a beaucoup insisté pour dire qu'il fallait que l'Ajungage inaugure la tradition des Gelongma dans le bouddhisme tibétain. En fait, c'est très bien, mais c'est vraiment pas facile. D'abord parce que Kenpo Jingme Punso n'a rien dit à ce sujet, on n'a pas d'orientation à ce sujet, il n'a rien dit de clair au sujet de la recréation des Gelongma, des Bikshuni, de la complète ordination pour les femmes au Tibet. Mais il y a beaucoup de docteurs qui sont tout à fait favorables à ça, mais on ne se précipite pas, ils font des recherches, ils ont écrit pas mal de choses à ce sujet-là, il y a des réunions, des réflexions, parce que c'est compliqué. Par exemple, au niveau des rituels, au niveau de la pratique, c'est assez compliqué. Il y a des traditions de Bikshuni, par exemple en Chine. Il y en a dans le bouddhisme chinois. Il y en a à Sri Lanka. Mais c'est une autre tradition que la nôtre. Donc les importer, ça n'est pas évident. Et là, j'ai pas compris les dewashi. Là, c'est à vous de. Les mêmes vinayas, d'accord. Les mêmes vinayas, les textes monastiques, ce n'est pas les mêmes rituels au niveau de Bosata, etc. Donc tous les rituels qui règnent la vie des nonnes sont différents suivant les vinayas, c'est très, très différent. Donc
le souhait est là, la réflexion est là, mais aux États-Unis, à Taïwan par exemple, ce sont des tendances assez fortes, mais ça n'est pas simple. Koransu ti jamirka kongen gareda tinon la signe tene gelon ma domba jamka girki ngone garendo. Donc il n'y a pas de gelon ma de femme tellement donnée à gar à la longueur. Il y en a dans le bouddhisme chinois et là actuellement une centaine de getsulma comment vous dites getsulma novices, voilà, semi-ordonnés, de non-semi-ordonnés, sont allés là en Chine, si j'ai bien compris, hein, pour suivre les enseignements et devenir elles-mêmes bikuni. Mais le problème se pose quand elles ne parlent pas chinois, par exemple. Mais en 2017, Niton Chukdun Kilo, les 100 non, les 100 semi-ordonnés, semi-ordonnés, les 100 nonnes semi-ordonnées qui sont partis en Chine sont revenus et on espère en 2017 pouvoir commencer l'ordination plénière pour les femmes. Agar, à la longueur. Donc, Monsieur Ngawang Chabala dit que on entend dire ici que le bouddhisme se développe énormément du côté chinois. Enfin, il avait une première question qui a été posée, donc l'autre question c'est le bouddhisme se développe beaucoup en Chine. Est-ce que vous pouvez nous dire combien il y a de bouddhistes en Chine, non pas dans la tradition tibétaine, mais dans la tradition, toute tradition confondue? Lasso. Ta, de. A son carcan terrain de Yanak Nana, tene Nanchu, l'ojon chia de paix, mon boyore. Tinane en a son pépa ne maritar ne potu nantin. Te lojon chinjan, on est pe mambo yosare. Et en tu lojon chinquin de tsuyena, ta caressen de chion bagade. Tene parcher ta lor yacheva, ta gupcheva, sinchota, tieni pogoso. Tendra te mate pe mambo do. Penang ningoni en lotra mambos a sonin. Tene. Lotra, Tene ta chulukungwa tanke ge pombozu ge tata gyanang na tene ta matong shir chig na wasang giba yo re se tene yichang nang ge tenra zu yo son. Yena yang tansa lama jemba tsu se ne na tene ta gyanang na tong shir sim, tong shir ni, tenra yo re se tenra yang son gondu. Tene ngi nguni na yang ta saru nguni
Donc le bouddhisme tibétain, le bouddhisme en général, effectivement, est très populaire en Chine et également le bouddhisme tibétain, notamment parmi les gens éduqués, les jeunes nés dans les années 80-90. Je vais pour ma part très fréquemment du côté chinois, hein, de la Chine, la partie est de la Chine. Je vais dans beaucoup d'universités, on me pose énormément de questions de la part des étudiants chinois et les professeurs me posent énormément de questions. Donc il y a un très grand intérêt, mais pour ce qui est des nombres, c'est très difficile de vous répondre. En 2009, le gouvernement a fait une enquête et il est arrivé à la conclusion qu'il y avait 100 millions de pratiquants du bouddhisme en Chine, mais quelques années plus tard, d'autres statistiques ont parlé de 200 millions ou de 300 millions, donc c'est vraiment extrêmement difficile de vous répondre. En plus, la méthode d'enquête, de poser aux gens ce genre de questions, c'est vraiment pas évident, mais je vois qu'il y a un très grand intérêt. Et la deuxième question, c'est qu'on a parlé de l'éducation monastique des femmes, la philosophie, tous les traités. Est-ce qu'elles ont aussi accès aux pratiques plus hautes du bouddhisme, je pense au yoga supérieur, les phases de création et d'achèvement notamment? Et est-ce que, sachant que ces pratiques sont principalement basées sur des physiologies masculines, est-ce qu'elles sont adaptées ou est-ce qu'il y a des traités spécifiques qui sont utilisés pour les implémenter auprès des femmes? Ne donda ni da shirtang nga chung la rong gan ni na gum ja de ta lore jin de yang pe na da wa re re ta tang sang gan di da war ge pa gan ni na yang gum ja de da wa da shi zam zu de gum ko na jam ne 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 ten ja yo re ta ti na ne yang ji go mu sur ge jo mo cho la yin na ji za long gum ya da ten ja zu da nga yo ma re ji ma gan re na ji sa ro ko gu men do. Donc à partir de 1982, une loi en Chine a édicté qu'il était interdit de placer les enfants de force, les mineurs de force dans les monastères. Donc c'est la contrainte en fait qui est interdite. Par ailleurs, donc cette loi existe, mais elle parle plutôt de la contrainte que de l'âge. Par ailleurs... ça dépend, en fait, la situation dans beaucoup d'endroits au Tibet dépend des relations avec les autorités et des autorités elles-mêmes. C'est-à-dire que si vous avez un dirigeant, un leader local qui est tolérant, il va laisser faire, il ne va pas trop interférer. En revanche, si vous avez quelqu'un avec une certaine intolérance ou un esprit étroit, eh bien lui, ça va être plus difficile avec lui. Nous, donc en théorie, c'est interdit. En pratique, ça dépend de qui vous avez en face de vous. Et puis nous, à Larungar, on est très très grand, on est très nombreux. Donc en fait, on s'en sort parce qu'il y a, des jeunes hommes de moins de 18 ans, il y a des femmes mineures de moins de 18 ans qui sont à Larungar. Donc c'est la taille qui permet peut-être de noyer un peu le... les choses sont assez fluctuantes aussi, donc on est sujet aux politiques qui sont lancées, et puis aussi on est très tributaire de la personnalité des gens qui sont en place, qui sont en poste, donc ça c'est assez difficile. Parfois on discute avec eux, mais voilà, ça dépend beaucoup de, pas de nous, mais de... Et d'autre part, pour ce qui est de la deuxième question sur les pratiques, disons, yogiques pour les femmes, en fait il y a des séances, des périodes de méditation de collective en fait pour tout le monde au 9e mois. Penda gubare chinda gubare penda warda warda gupa gomgya gomgya warda gupa.
Donc c'est le 9e mois tibétain. Dans le calendrier tibétain, là, il y a des séances collectives de méditation. Mais en revanche, il n'y a pas de pratique yogique, donc avec le tsalung, sur le souffle, disons. Mais c'est peut-être, c'est pas encore en place. Tsalung chegde, ngama ngatsu de karesre de kambo yujino ro gomba mazo kono tani garne tsalung de tsamba chik chere tini kama chomo yang tsalung gomre. Chomo la. Pome yang tsalung gomre. Kenpo Jumé Punso, avant de son décès, a enseigné les pratiques yogiques, de, comment vous traduisez le tsalung, hein, à des nonnes, avant son décès. Okay. Et il nous reste une minute. Encore une question. Allez. Tati, ne, monito samgyo. Tsirngama de moni yosarisam. Garisena, mangarig gurmu, mambo ora samne pe, kasakale mambo shina, tsirngama sunum de me sondi. Tene ji shion yomayo mandu, nipa yomayo mandu. Tene mazanba jan solan jira pe yapo yona, ta kurunga ti, parnjur ti, yara yapo top top commandua. Ya, mangare de. Quand la pâme je vois en mai, je ne sais pas si je vois en yabo mai, je ne sais pas si je vois en yabo mai, je ne sais pas si je vois en yabo mai, je ne sais pas si je vois en yabo mai, je ne sais pas si je vois en yabo mai, je ne sais pas si je vois en yabo mai, je ne sais pas si je vois en yabo mai, je ne sais pas si je vois en yabo mai, je ne sais pas si je vois en yabo mai, je ne sais pas si je vois en yabo mai, je ne sais pas si je vois en yabo mai, je ne sais pas Mungarig Jindi Zumbashina yang Kuran Paranjur Tang Tong Mungarig Zunda Mashina de Tongid, Tsingamaga, Yomek Jimson Tsachiwaz, Sanotan Gosan de Gosank. Je pense bien sûr que oui, je pense qu'il existe, que la réincarnation existe. Un exemple très simple, dans cette existence, il y a des gens qui sont extrêmement riches sans avoir aucune qualité, ni rien de particulier. Ni sans faire beaucoup d'efforts. D'autres, ils ont beau déployer énormément d'efforts, ils n'arrivent absolument pas à s'enrichir. Donc, ça a l'air d'être apparemment sans raison, mais en fait, s'il n'y avait pas ces empreintes de la vie antérieure, ce genre de choses incompréhensibles n'arriveraient pas. Donc, oui, je pense qu'il y a une vie antérieure. J'ai énormément de choses à vous dire, de motifs à vous exploser pour vous faire part du fait que pour moi il existe une vie antérieure et puis des vies futures, mais à cause du temps qui s'est écoulé, je ne peux pas vous les exposer. Merci à tous d'être venus. Désolée pour les couacs de la traduction. Et merci à Nicolas, Thierry et Françoise Wang-Toutin pour les aides à la traduction.